Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce webinaire INRS consacré à la prévention des risques professionnels associés aux fumées de soudage des métaux. Vous êtes très nombreux à suivre ce webinaire en direct, plus de 1100 inscrits. Si vous souhaitez le visionner à nouveau, nous vous informons qu'il sera prochainement disponible en replay sur le site internet ainsi que sur la chaîne YouTube de l'INRS. Trois intervenants se succéderont lors de ce webinaire: Nadia Nikolova-Pavajo, Francis Bontou et moi-même. Je me nomme Myriam Rico, je travaille au sein du pôle risque chimique du département expertise et conseil technique de l'INRS. En avant-propos, je souhaiterais vous indiquer quelques mots sur les activités de soudage des métaux. Donc, les activités de soudage des métaux s'exercent dans de très nombreux secteurs professionnels, que ce soit en chaudronnerie, en construction navale ou dans le domaine du BTP, et que ce soit en production, en construction ou en maintenance. Ces activités peuvent présenter de multiples risques pour la santé et la sécurité des salariés, notamment des risques liés à l'inhalation de fumée de soudage, donc des risques d'intoxication, des brûlures de la peau suite par exemple à la projection de gouttelettes métalliques, des lésions oculaires suite à l'exposition à des rayonnements ultraviolets ou encore des troubles musculo-squelettiques générés suite à des manipulations contraignantes. Donc, tous ces risques varient en fonction des techniques de soudage mises en œuvre, des matériaux de base et d'apport utilisés ou encore des gaz employés. Les activités de soudage des métaux peuvent ainsi provoquer des accidents et des pathologies professionnelles chez les soudeurs, mais également chez les salariés amenés à effectuer des opérations de préparation et de parachèvement des pièces soudées, notamment des opérations de ponçage et de meulage des pièces. Le webinaire de ce jour porte exclusivement sur les risques liés à l'inhalation de fumée de soudage et à la prévention associée. Ce webinaire s'articule autour de cinq grandes parties. Donc, tout d'abord, je vous présenterai brièvement les différents procédés de soudage qui existent. J'aborderai ensuite la formation, la composition et l'émission des fumées de soudage. Puis, je terminerai par le contexte réglementaire et notamment les textes issus de la réglementation relative à la prévention du risque chimique et à l'aération et l'assainissement de l'atmosphère des lieux de travail. Dans une quatrième partie, Nadia Nikolova-Pavajo vous parlera des effets sur la santé, des effets aigus ainsi que chroniques. Pour terminer, Francis Bontou abordera la démarche de prévention et les moyens de protection collective et individuelle recommandés. Enfin, pour terminer ce webinaire, nous mentionnerons quelques brochures et documents qui vous permettront d'approfondir le sujet si vous le souhaitez. Donc, tout d'abord, quelques brefs mots sur les techniques de soudage. Donc, il existe de très, très nombreuses techniques de soudage. Parmi les techniques de soudage les plus répandues, l'on rencontre le soudage à l'arc électrique. Quatre grandes familles de procédés de soudage à l'arc électrique existent. Donc, tout d'abord, le soudage à l'arc électrique avec électrode enrobée. Deuxième sous-famille, le procédé de soudage à l'arc électrode électrique pardon, avec protection gazeuse. Donc là, on distingue quatre catégories. Donc le soudage à l'arc électrique avec électrode réfractaire TIG, le soudage à l'arc électrique avec électrode fusible fil plein MIG MAG ou fil fourré MAG, et enfin le soudage au plasma. Ensuite, troisième famille, le soudage à l'arc électrique sans protection gazeuse, donc soit avec électrode fusible fil fourré, soit le soudage électrogaz. Et enfin, il existe d'autres procédés de soudage à l'arc électrique un peu plus confidentiels, comme le procédé sous flux en poudre ou le procédé de soudage de goujon. Enfin, parmi toutes les autres techniques de soudage qu'on peut rencontrer en entreprise, parmi les plus répandues, on peut citer le soudage oxyacétylénique, nommé également le soudage à la flamme. Donc en France, concrètement, le soudage à l'arc électrique représente environ 20 000 salariés. Donc, tous les procédés de soudage que je viens d'énumérer ont l'inconvénient du fait des hautes températures atteintes au point de fusion d'émettre des fumées qui peuvent être inhalées par les soudeurs, mais également par les personnes qui travaillent à proximité.
Donc, ces fumées de soudage sont composées en proportions variables en fonction de la technique de soudage utilisée, donc de gaz et de poussière. Ces poussières sont en fait des particules métalliques et d'oxyde métallique qui présentent un diamètre généralement inférieur à 0,1 micromètre, soit inférieur à 100 nanomètres. Donc, nous sommes en présence de particules dites ultra fines. Sur cette diapositive, vous avez une micrographie, c'est-à-dire une photographie réalisée en microscopie électronique à balayage de fumée de soudage. Donc, ces fumées de soudage, comme on peut le voir, sont composées de particules, donc plutôt sphériques, de taille inférieure à 100 nanomètres et qui ont tendance spontanément, lorsqu'elles sont émises, à former des amas de quelques microns, plutôt sous forme de chaînes. Ces fumées de soudage sont générées sous l'effet en fait de différents processus physiques ou chimiques. Donc, notamment, les métaux sont générés suite à des processus de vaporisation, de condensation ou d'oxydation. Les gaz sont plutôt générés suite à des processus de décomposition ou de combustion. Donc, tous ces processus physiques et chimiques conduisent, comme je l'ai dit, donc à la production, à l'émission de gaz et de poussière. Donc, parmi les gaz générés lors des opérations de soudage, on peut distinguer trois familles. Donc, tout d'abord, les gaz protecteurs issus des opérations de soudage, donc en fonction du procédé qu'on mettra en œuvre. Donc, les salariés pourront être exposés à de l'argon, de l'hélium ou du dioxyde de carbone. Parmi les autres gaz émis, on rencontre les gaz générés lors des opérations de soudage. C'est par exemple du monoxyde de carbone, de l'ozone ou encore des oxydes d'azote. Et enfin, différents autres types de gaz peuvent être générés suite à la dégradation thermique ou photochimique de revêtements qui peuvent être présents sur les pièces soudées. Donc, on peut générer par exemple du phosgène, du formaldéhyde ou encore du cyanure d'hydrogène. Au niveau donc des poussières, des particules émises, je l'ai dit précédemment, ce sont principalement des poussières métalliques ou d'oxyde métallique. Donc par exemple des poussières d'oxyde de fer, d'oxyde de manganèse ou encore des composés du chrome 6. Donc dans la suite des diapositives que je vais présenter, je vais vous détailler quels sont les polluants gazeux et particulaires qu'on peut rencontrer en fonction des matériaux de base et d'apport utilisés. Donc tout d'abord au niveau des polluants gazeux. Donc, on peut générer lors des opérations de soudage du monoxyde de carbone suite à la décomposition thermique du dioxyde de carbone, lors du soudage sous gaz actif avec du dioxyde de carbone ou lors du soudage sous gaz actif avec un mélange gazeux dans lequel on a une grande proportion de dioxyde de carbone. Il peut également se former du monoxyde de carbone lors de toute combustion avec apport d'air insuffisant. Des oxydes d'azote, donc monoxyde et dioxyde d'azote, peuvent également être émis lors de la combustion de l'azote de l'air à proximité de la flamme ou à proximité de l'arc électrique. Le monoxyde d'azote se forme à des températures supérieures à 1000 degrés et s'oxyde dans l'air à une température ambiante pour produire donc du dioxyde d'azote. Des oxydes d'azote peuvent également être émis lors de l'utilisation de procédés autogènes, notamment lors de l'utilisation de procédés de soudage oxyacétylénique, et c'est principalement du dioxyde d'azote qui est généré. Toujours au niveau des polluants gazeux, donc les salariés peuvent être exposés à de l'ozone dans le cadre des activités de soudage des métaux, notamment suite à la photolyse de l'oxygène de l'air sous l'action de rayonnements ultraviolets. Donc, il se forme en particulier de l'ozone lors du soudage sous gaz protecteur de matériaux fortement réfléchissants tels que l'aluminium. Il a été constaté que la présence d'autres gaz ou poussières dans l'atmosphère des lieux de travail accélère la décomposition de l'ozone en oxygène, ce qui explique pourquoi la concentration en ozone est plus élevée dans le cas de l'utilisation de procédés de soudage peu émissifs tels que le procédé TIG. Enfin, pour terminer avec les polluants gazeux, de nombreux autres gaz peuvent être générés suite notamment à la dégradation, comme je l'ai dit précédemment, photochimique ou thermique de revêtements qui peuvent être présents sur les pièces soudées. Donc, ça peut être des vernis, des peintures ou encore des dégraissants. Donc, comme gaz, on pourrait être amené à générer du formaldéhyde ou encore du cyanure d'hydrogène. Donc, passons maintenant aux polluants particulaires. Donc, au niveau des polluants particuliers, donc comme je l'ai dit précédemment, on génère principalement des oxydes métalliques
ou des oxydes métalliques ou des particules métalliques. Donc, on rencontrera notamment des oxydes de fer qui sont présents soit dans le matériau d'apport, soit dans le matériau de base en acier. De l'oxyde d'aluminium peut également être émis suite au soudage de matériaux d'apport contenant de l'aluminium ou du matériau de base également contenant de l'aluminium. Des oxydes de manganèse peuvent également être émis, soit ils sont contenus dans le matériau d'apport, soit on est amené à souder des matériaux de base, soit des aciers, soit des alliages contenant du cuivre, de l'aluminium et du magnésium. Ensuite, on peut également rencontrer sur les lieux de travail des composés du chrome hexavalent, soit lorsqu'on est amené à utiliser des matériaux d'apport contenant du chrome, soit lorsque les salariés soudent des aciers inoxydables, voire éventuellement des pièces présentant un revêtement à base de chromate de zinc. Des oxydes de nickel peuvent également être rencontrés, donc ils proviennent soit du matériau d'apport, soit du matériau de base, que ce soit de l'acier inoxydable, de l'acier galvanisé ou des alliages de nickel. De l'oxyde de cadmium et de l'oxyde de beryllium peuvent également être générés. Donc, dans le cas de l'oxyde de cadmium, c'est principalement des matériaux revêtus de cadmium qui sont soudés, donc des pièces cadmiées. Dans le cas de l'oxyde de beryllium, donc ce sont des matériaux qui contiennent du beryllium, qui sont notamment utilisés dans le domaine de l'aéronautique. De l'oxyde de cobalt peut également être généré. C'est le cas lorsqu'on est amené à souder des alliages contenant du cobalt. Pour terminer donc avec les polluants particulaires, donc les salariés peuvent être exposés à des fluorures, à des composés du barium ou encore à de l'oxyde de potassium, de sodium ou du dioxyde de titane. Donc ces composés présents dans les fumées de soudage proviennent principalement des matériaux d'apport, notamment des électrodes. On peut être amené également à générer de l'oxyde de zinc qui provient principalement du matériau de base, donc lorsque les salariés soudent de l'acier galvanisé ou des métaux peints. Enfin, différents oxydes métalliques peuvent être générés, principalement donc issus des matériaux de base sur lesquels il peut y avoir des revêtements, des peintures ou des vernis, par exemple. Et enfin, pour terminer, donc du dioxyde de thorium peut également être émis lors des activités de soudage. Donc là, ça concerne principalement le soudage TIG lors de l'affûtage et du polissage des électrodes en tungstène thorié. Donc la composition des fumées de soudage, comme on l'a vu précédemment, dépend notamment donc des produits d'apport, donc du matériau d'apport. Donc ici, donc vous avez les critères en fait, les paramètres du matériau d'apport, donc le diamètre du fil ou de l'électrode, la composition et l'épaisseur de l'enrobage ou du flux, et la composition donc ce matériau d'apport. La composition des fumées de soudage, comme je l'ai dit, dépend également de la composition du métal de base et de son préchauffage éventuel. De la présence de revêtements ou de contaminants possibles sur le métal de base, et enfin de la composition et du débit du gaz protecteur. L'émission de ces fumées de soudage dépend également d'autres paramètres, comme le procédé de soudage mis en œuvre. Donc, comme j'ai dit précédemment, certains procédés de soudage sont plus ou moins émissifs. Le procédé de soudage TIG est par exemple peu émissif par rapport au procédé MIG-MAG. L'émission dépend également des paramètres de soudage, l'intensité, la tension, la longueur d'arc et enfin de la position de soudage, à plat ou en angle. Donc globalement, 95% des constituants des fumées de soudage proviennent des produits d'apport, d'où l'importance de connaître la composition des produits d'apport. Et donc pour la connaître, je vous invite à vous référer à la fiche de sécurité de ces produits d'apport transmise par le fabricant ou le distributeur. Donc, tous les polluants particulaires et gazeux qui peuvent être émis dans le cadre des activités de soudage sont des agents chimiques. Donc, la prévention du risque chimique, les règles générales de prévention du risque chimique établies dans le Code du travail doivent s'appliquer. Par ailleurs, il est vivement conseillé dans le cadre des activités de soudage de se référer également aux mesures particulières de prévention prescrites lors de toute opération exposant un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B. En effet, dès 1990, le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, a classé les fumées de soudage comme cancérogènes de catégorie 2, donc agents pouvant être cancérogènes chez l'homme. Ce classement a été revu très récemment, donc en 2018. Et donc depuis 2 ans, les fumées de soudage sont classées dans le groupe 1, agents cancérogènes pour l'homme. Néanmoins, les fumées de soudage dans leur ensemble ne sont pas classées par l'Union européenne.
Donc, nous vous invitons à vous référer au classement qui existe pour de très nombreux polluants qui peuvent être présents dans les fumées de soudage. Et donc, ces polluants, pour certains, sont classés par l'Union européenne ainsi que par le Centre international de recherche sur le cancer. Vous avez justement ici un tableau qui récapitule la classification des principaux agents cancérogènes pouvant être présents dans les fumées de soudage. Donc, vous pouvez notamment constater que le chrome 6 est classé à la fois par l'Union européenne et par le CIR comme agent cancérogène pour l'homme, de même pour certains composés du nickel. Le beryllium et le cadmium sont quant à eux classés agents supposés cancérogènes par l'Union européenne et agents cancérogènes par le CIRC. Au niveau maintenant des valeurs limites d'exposition professionnelle, donc il faut savoir qu'il existe en France une valeur limite d'exposition professionnelle sur 8 heures pour la totalité des particules composant les fumées de soudage. Donc c'est une VLEP indicative qui est relativement ancienne, qui est de 5 mg par mètre cube, qui est également plutôt élevée et qui nécessiterait d'être réévaluée au regard des connaissances actuelles sur les effets sur la santé des fumées de soudage. Ce qui est intéressant, c'est qu'il existe pour de très nombreux constituants des fumées de soudage, soit des polluants particuliers ou gazeux, des valeurs limites d'exposition professionnelle et qu'il convient de respecter. Tout en gardant en mémoire que les valeurs limites d'exposition professionnelle sont un objectif minimal et qu'il convient de choisir les pratiques et les moyens de prévention visant à abaisser les niveaux d'exposition à des valeurs aussi basses que possible. Donc, sur cette diapositive, vous avez un tableau qui récapitule les valeurs limites d'exposition professionnelle pour les principaux constituants des fumées de soudage, donc qu'ils soient particulières ou gazeux. En rouge, vous avez les VLEP sur 8 heures, en vert, les valeurs limites court terme. En gras sont mentionnées les valeurs limites réglementaires contraignantes et en italique, celles qui sont réglementaires indicatives. Donc, comme vous le constatez, le chrome 6, donc les composés du chrome 6, présentent une valeur limite réglementaire contraignante de 0,001 mg par mètre cube sur 8 heures et de 0,005 mg par mètre cube court terme. De même, le phosgène et le plomb présentent également des valeurs limites réglementaires contraignantes. Donc, il convient au niveau des lieux de travail de s'intéresser, donc de prendre en compte ces valeurs limites d'exposition professionnelle et de mettre en œuvre les mesures de prévention adaptées. En effet, les locaux dans lesquels s'exercent des activités de soudage sont considérés comme des locaux à pollution spécifique. Donc, l'employeur a l'obligation de capter les fumées de soudage au fur et à mesure de leur production, au plus près de leurs sources d'émissions et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants de l'air ainsi que des mouvements d'air. Donc, il conviendra donc de s'intéresser aux textes relatifs à l'aération et à l'assainissement de l'atmosphère des lieux de travail, donc qui sont les codes du travail, ce sont les articles R4212-1 à 7, R4222-1 à 22 et R4722-1 et 2 et enfin R4724-2 et 3. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vais maintenant passer la parole à Nadia Nikolova-Pavajo, qui va vous parler des effets aigus et chroniques sur la santé des fumées de soudage. Bonjour à tous. Je me présente Nadia Nikolova, conseillère médicale en toxicologie professionnelle dans le département études et assistance médicale à l'INRS. Dans ce webinaire, nous allons aborder exclusivement les effets sur la santé liés à l'inhalation de fumée de soudage. Bien évidemment, il ne faut pas oublier que l'activité de soudage présente d'autres risques, comme cela a été souligné par Myriam Bricot. Par exemple, les risques liés aux températures de mise en œuvre, aux rayonnements ultraviolets ou bien aux postures et gestes. L'exposition aux fumées de soudage a lieu principalement par voie respiratoire, et puisque le diamètre des particules métalliques ou d'oxyde métallique est généralement inférieur à 100 nanomètres, la déposition se fera préférentiellement au niveau alvéolaire, comme cela est représenté par la courbe rose sur cette figure qui représente un modèle théorique de déposition des particules inhalées dans l'arbre respiratoire. On comprend donc aisément que
L'appareil respiratoire est une des principales cibles en cas d'exposition aux fumées de soudage. Tout d'abord, on peut observer un certain nombre d'effets lors d'exposition aiguë, par exemple une irritation des yeux, des voies respiratoires hautes et basses, en rapport avec l'exposition à des irritants présents dans les fumées de soudage, comme les oxydes d'azote, l'ozone, l'ophogène, le chlorure d'hydrogène. Ces irritants peuvent également être responsables d'une irritation plus sévère qui peut se présenter sous la forme d'un œdème aigu pulmonaire lésionnel, dont le début peut être retardé jusqu'à 24 à 48 heures après l'exposition. En cas d'exposition à des gaz irritants à forte concentration, on peut observer un syndrome d'irritation bronchique aiguë, encore appelé syndrome de dysfonction réactive des voies aériennes ou syndrome de Brooks. Il s'agit d'un bronchospasme aigu. Une autre pathologie qui peut être observée chez les soudeurs est la fièvre des métaux, qui fait suite à l'inhalation de fumée d'oxyde, des fumées fraîchement émises d'oxyde principalement de zinc, mais d'autres oxydes métalliques sont incriminés, comme les oxydes de cuivre, de magnésium, d'aluminium ou de cadmium. Cette pathologie se présente sous la forme d'un syndrome grippal qui débute 4 à 8 heures après l'exposition, avec une température élevée, des frissons, des douleurs musculaires, une toux, un goût métallique dans la bouche, des maux de tête et des nausées. L'auscultation thoracique est normale, ainsi que la radiographie thoracique. Et il y a une résolution spontanée dans les 24 à 48 heures. Une tolérance peut se développer à court terme. Cette pathologie est encore appelée fièvre du lundi matin, puisqu'elle peut survenir de préférence le lundi matin lors de la reprise du poste, après un arrêt d'exposition pendant le week-end. Les symptômes s'améliorent progressivement et disparaissent au cours de la semaine de travail pour réapparaître le lundi suivant. Elle survient de préférence dans des circonstances d'exposition intense en l'absence de mesures de protection. D'autres effets respiratoires peuvent être observés en cas d'exposition chronique aux fumées de soudage, par exemple la rhinite et l'asthme professionnel, qui peuvent être de mécanismes irritatifs ou immunoallergiques en rapport avec l'exposition à des sensibilisants respiratoires comme les oxydes de chrome, de nickel ou de cobalt. Plusieurs cas et des séries de cas sont rapportés dans la littérature. Et dans des études longitudinales chez les soudeurs, on observe une augmentation de l'incidence de la rhinite et de l'asthme professionnel par rapport à la population générale ou par rapport à d'autres métiers, par exemple dans le secteur de la construction. Dans une étude qui réalise un suivi d'apprentis soudeurs, on a observé par exemple une incidence de 3% de l'asthme professionnel à 15 mois. L'incidence de l'hyperactivité bronchique non spécifique est-elle de 12%, donc sans être systématiquement associée à une manifestation clinique. Les soudeurs présentent également un risque augmenté de bronchite chronique. Il s'agit d'une pathologie inflammatoire des bronches qui est définie par la présence de toux et d'expectoration pendant au moins 3 mois sur plus de 2 années consécutives. De nombreuses études sont intéressées au lien avec la bronchopneumopathie chronique obstructive ou BPCO, donc une maladie respiratoire chronique qui se caractérise par une inflammation et une obstruction permanente et progressive des bronches, avec une diminution non réversible des débits expiratoires objectivés par les explorations fonctionnelles aspiratoires. Il n'y a pas de consensus actuel sur l'existence d'un lien entre exposition aux fumées de soudage et augmentation du risque de BPCO. D'après certains auteurs, ce risque pourrait être augmenté surtout en cas de co-exposition au tabac, qui est le facteur de risque majeur de BPCO. Une susceptibilité accrue aux infections pulmonaires est également observée chez les soudeurs, qui serait liée à l'exposition aux fumées métalliques. Donc on observe notamment une augmentation du risque de pneumopathie infectieuse, essentiellement à pneumocoque, et de la mortalité par pneumopathie infectieuse, ce qui a conduit
a une recommandation au Royaume-Uni de vaccination antipneumocoque à envisager pour les employés avec exposition fréquente ou continue aux fumées métalliques, notamment les soudeurs, en prenant en compte les mesures de protection en place. Donc, il est important de souligner que la priorité est donnée aux mesures de prévention visant à réduire l'exposition. D'autres pathologies qui peuvent être observées chez les soudeurs en cas d'exposition chronique sont les pneumoconioses ou des pneumopathies de surcharge. Donc, la principale est la sidérose, qui est liée au dépôt d'oxyde de fer inhalé dans les macrophages alvéolaires. Elle survient généralement lors d'expositions prolongées, généralement supérieures à 10-15 ans, en milieu confiné sans mesure de protection efficace. À la radiographie thoracique, on peut observer des opacités micronodulaires prédominant aux bases et le scanner thoracique montre des hyperdensités interstitielles avec ou sans présence d'emphysème. Le plus souvent, la sidérose ne s'accompagne pas de signes cliniques et il n'y a pas d'altération de la fonction respiratoire. D'autres pneumoconioses peuvent être observées en cas d'exposition à des composés particuliers, par exemple une sténose en cas d'exposition à l'oxyde d'étain, une aluminose en rapport avec l'exposition à l'oxyde d'aluminium, une berylliose en rapport avec l'exposition à l'oxyde de beryllium. Il peut également y avoir des pneumoconioses mixtes. Enfin, comme cela a été souligné par Myriam Rico, les fumées de soudage ont été classées par le Centre international de recherche sur le cancer dans le groupe 1 des agents cancérogènes certains en 2018, sur la base de données suffisantes chez l'homme, d'augmentation de la mortalité par cancer bronchopulmonaire et de l'incidence de cancer bronchopulmonaire, que l'on s'intéresse à l'exposition aux fumées de soudage ou au métier de soudeur. Il est également important de souligner, comme cela a déjà été fait, que de nombreux composés présents dans les fumées de soudage sont par eux-mêmes classés cancérogènes certains pour le cancer bronchopulmonaire, par exemple le chrome hexavalent, les composés du nickel, beryllium et composés et cadmium et composés. Enfin, d'autres effets que les effets respiratoires peuvent être observés chez les soudeurs. Par exemple, des atteintes du système nerveux central en lien avec l'exposition à des composés neurotoxiques comme le manganèse, l'aluminium ou encore le plomb. Chez les soudeurs, on peut observer une plus grande prévalence de troubles cognitifs, une diminution des performances lors de tests psychométriques, par exemple des troubles de la vigilance ou de la mémoire, ou une augmentation des temps de réaction. Il a également été décrit l'existence de Parkinson manganique en lien avec l'exposition importante au manganèse. Des atteintes rénales ont été décrites, par exemple une atteinte tubulaire rénale liée à l'exposition au cadmium. Et en ce qui concerne le cancer du rein, les preuves ont été jugées limitées par le Centre international de recherche sur le cancer lors de la réévaluation en 2018. Les soudeurs peuvent également présenter des dermites de contact d'irritation ou allergiques en lien avec l'exposition cutanée à des sensibilisants comme les oxydes de chrome, de nickel ou de cobalt. Des effets sur la fertilité et la reproduction ont été suspectés chez les soudeurs avec des résultats contradictoires des études pour les effets étudiés. Par exemple, certaines études ont observé des anomalies spermatiques chez les soudeurs, mais il existe des co-expositions et notamment une exposition à la chaleur qui est actuellement considérée comme le facteur important à prendre en compte pour ces effets. Les études concernant le risque de fausse couche chez les compagnes de soudeurs sur acier inox ont également des résultats contradictoires. Enfin, on peut s'intéresser à la surveillance médicale et la surveillance biologique des expositions professionnelles qui peuvent être proposées dans le cadre du suivi des soudeurs. Lors du suivi médical, le médecin du travail pourra rechercher des signes de rhinoconjonctivite, une toux, des difficultés respiratoires, des signes évocateurs de fièvre des métaux.
Une radiographie thoracique et des explorations fonctionnelles respiratoires peuvent être proposées, être réalisées en tant qu'examen de référence. Et un contrôle régulier des EFR sera réalisé en fonction de l'examen clinique et de l'intensité de l'exposition. Kit du dépistage du cancer bronchopulmonaire. D'après les recommandations de la Société française de médecine du travail de 2015, il n'y a pas d'indication de radiographie thoracique à cette fin de dépistage. Et l'indication du scanner thoracique basse dose sera à définir en fonction des résultats de l'expérimentation de dépistage chez les sujets exposés à des cancérogènes pulmonaires à haut risque de cancer bronchopulmonaire. Donc pour l'instant, pas d'indication d'examen spécifique en attente de nouvelles recommandations. Quant à la surveillance biologique des expositions professionnelles, c'est une approche complémentaire à la métrologie atmosphérique qui permet d'évaluer l'exposition professionnelle. Elle a l'avantage de prendre en compte l'ensemble des voies d'exposition et d'évaluer l'exposition réelle des salariés. Donc, on a vu l'importance de la voie d'exposition respiratoire. Il y a également possibilité d'exposition par voie cutanée et digestive. Donc, cette dernière voie peut être non négligeable, soit en cas de contact main-bouche par défaut d'hygiène, soit lors de la déglutition secondaire de particules initialement inhalées et ensuite remontées au niveau du carrefour aérodigestif par l'action de l'appareil mucociliaire. Le choix des indicateurs biologiques d'exposition sera défini en fonction de l'évaluation des risques. On peut proposer par exemple un dosage de chrome, de nickel ou d'aluminium urinaire, ou bien un dosage de manganèse sanguin. Donc, ce choix d'indicateurs biologiques d'exposition et le choix d'une valeur biologique d'interprétation pertinente pourra être guidé en fonction des informations contenues dans la base de données Biotox disponible sur le site de l'INRS. Par exemple, si on s'intéresse au dosage du chrome urinaire, j'attire votre attention sur le fait que quand on choisit une valeur biologique d'interprétation, on doit s'intéresser, puisqu'il s'agit de composés métalliques, prendre en compte le fait que certaines valeurs biologiques d'interprétation sont définies pour une spéciation métallique spécifique et pour une activité spécifique. Donc, par exemple, la valeur limite biologique proposée par l'ANSES pour le chrome urinaire est applicable pour l'exposition au chrome hexavalent dans l'activité de chromage électrolytique, donc non applicable pour l'activité de soudage. La valeur limite biologique américaine peut être appliquée pour l'activité de soudage. Par contre, elle a été établie en rapport avec l'exposition, la valeur limite atmosphérique américaine, et n'a pas été réévaluée après la baisse drastique de cette dernière. La valeur limite proposée par la Finlande est applicable pour une exposition au composé hexavalent du chrome sans précision de l'activité. Il peut être également pertinent de comparer les résultats obtenus chez les salariés à la valeur biologique de référence en population générale pour le chrome urinaire, qui correspond au 95e percentile des valeurs retrouvées dans la population générale, puisqu'on est face à l'exposition à un cancérogène pulmonaire sans seuil d'effet et que l'exposition doit être la plus basse possible. Cette surveillance biologique des expositions professionnelles participe notamment à la traçabilité des expositions, puisque le résultat individuel du salarié sera intégré dans le dossier médical en santé au travail. Je vais passer la parole à mon collègue Francis Bonteau. Bonjour, Francis Bontou, département ingénierie des procédés à l'INRS. Nous allons aborder ensemble la démarche de prévention et voir les solutions qui peuvent être mises en place pour réduire les expositions. Alors, l'objectif est de réduire certes les expositions pour le soudeur directement, mais aussi pour les salariés qui travaillent dans son environnement direct. Donc, comme toute démarche de prévention, elle commence par une phase d'observation qui doit impérativement associer les opérateurs. Alors, on va examiner le poste de travail, les pièces à souder,
Par exemple, dans l'optique de mettre en place une solution de captage localisé, les réponses à ces questions seront essentielles. On va aussi s'intéresser à l'opérateur, à sa formation, son aptitude au changement. Si l'on envisage, par exemple, de changer le générateur de soudage, ces réponses seront impératives. Et enfin, il faut aussi collecter des données sur le soudage proprement dit, sur le type de cordon de soudage que l'on réalise, surtout sur les contraintes que l'on peut associer à ce soudage, des contraintes de qualité, des contraintes de résistance mécanique, qui peuvent largement conditionner la possibilité de changer, par exemple, des métaux d'apport ou des gaz de protection. Et enfin, donc, quand on a toutes ces données, on peut envisager l'étude des solutions, solutions qu'il faudra tester avant le déploiement pour être plus sûr de la suite. Alors, on va déjà parler des solutions visant à réduire les émissions. Alors, les émissions de fumée, elles sont, dans le cadre du soudage, souvent liées à l'instabilité de l'arc électrique. Plus l'arc électrique est instable, plus les débits de fumée seront élevés. Donc, travailler sur un métal propre est déjà une première étape. Ça veut dire sabler, dégraisser et quand on a fait tout ça, stocker les matériaux à l'abri. Ensuite, réduire les fumées, ça peut passer par des procédés de soudage moins émissifs. Là, je vous donne en exemple une courbe type des émissions de fumée en fonction des intensités. De ce côté-ci, intensité faible, on est sur des faibles taux de dépôt. De l'autre côté, intensité élevée, on est sur des taux de dépôt élevés. Donc cette courbe correspond à du fil plein. Vous n'avez pas d'unité précisée sur ce graphique parce que c'est très dépendant du type de fil, du diamètre de fil et du gaz utilisé. Mais l'allure est toujours la même. Donc avec un mode de transfert qui change en fonction de l'intensité, on n'est pas sur un processus continu. Avec un mode qu'on appelle court-circuit quand on est dans les basses intensités, faible taux de dépôt, avec des émissions de fumée très faibles. Après, à l'opposé de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle la pulvérisation axiale ou spray arc, où on a des taux de fumée, d'émissions de fumée relativement élevés, avec des taux qui deviennent très très élevés quand on dépasse les 350-400 ampères, avec donc ce mode de transfert du métal. Et au milieu, vous retrouvez ce que l'on appelle le mode globulaire, qui est un mode particulièrement instable, générateur de graton, générateur aussi de beaucoup de fumée. Et c'est ce que l'on cherche à éviter en utilisant des générateurs de soudage de dernière génération. Notamment, ces générateurs permettent d'étendre la plage d'utilisation du court-circuit pour éviter le globulaire ou, dans l'autre sens, d'étendre la zone d'utilisation du spray arc de façon aussi à supprimer le globulaire. On a aussi maintenant l'apparition de ce qu'on appelle le mode pulsé, qui permet à peu près de suivre cette courbe rouge en fonction, pour ce qui est de l'émission de fumée, en fonction de l'intensité, et surtout donc d'éviter le globulaire. Là, ces deux illustrations vous montrent les émissions de fumée et les projections liées au mode globulaire. Sur l'autre illustration, on est dans la même situation, même taux de dépôt, mais avec un mode pulsé. Disparition des projections et émissions de fumée bien plus faibles. Un autre élément important quand on cherche à réduire les émissions de fumée, alors je précise qu'une bonne partie des informations que je donne ici s'applique au Mi'kmaq, le Mi'kmaq représentant à peu près 80% des consommations de métal d'apport en France, donc l'intérêt de réduire les émissions de fumée est important sur ce type de produit. Et donc, le gaz utilisé comme gaz de protection est un facteur très important sur l'émission, comme vous pouvez le voir ici. Donc, on parle du potentiel oxydant du gaz de protection, c'est-à-dire on ajoute la fraction de CO2 et la fraction d'oxygène contenue dans le gaz de protection. Et l'on voit clairement que plus cette fraction est basse, moins l'opération est émissive. On a à peu près un facteur 5 entre du 100% CO2 et ici une teneur assez faible en oxygène. Autre élément pour gagner en matière d'émissions de fumée, c'est le choix du métal d'apport.
Alors pour vous aider dans ce choix, il existe une norme, la norme 151, qui est une norme à disposition des fournisseurs, des fabricants de fils, pour qu'ils déterminent d'une part le débit d'émission de leur matériel d'apport et d'autre part la valeur associée à la toxicité de ces fumées. Alors cette valeur est déterminée par rapport à la composition des fumées. Alors, élément important par rapport à cette classification, c'est que la majorité des paramètres pour réaliser le test sont déterminés, mais pas tous, puisqu'il faut laisser une certaine souplesse pour que l'on puisse tester tout type de fil, et notamment deux paramètres ont une certaine liberté. Il s'agit de l'intensité de soudage à laquelle sera réalisé le test, d'une part, et d'autre part, le gaz qui sera utilisé, le gaz de protection utilisé pour réaliser ce test. Donc la norme spécifie que c'est le gaz le plus oxydant parmi ceux proposés dans la fiche technique d'utilisation du produit qui devra être utilisé pour ce test. Et d'autre part, l'intensité sera réglée à 90% de la plage d'utilisation du matériau d'apport fixé dans la fiche technique. Donc comme vous avez vu précédemment, le gaz est un facteur important sur l'émission, l'intensité aussi. Donc si vous comparez deux produits, assurez-vous que vous comparez deux produits qui ont été testés dans des conditions suffisamment proches. Autre élément, comment se détermine cette valeur limite de la fumée de soudage? En fait, on part de la valeur limite des fumées de soudage en général, de 5 mg mètre cube, et en fonction de la composition des éléments, de la composition des fumées, on intègre les valeurs limites de chacun de ces composés de façon à pénaliser cette valeur de 5 mg et la baisser en fonction de la toxicité des produits qui composeront les fumées. Alors, vient immédiatement deux questions. C'est que ce classement, puisqu'il est basé sur la valeur limite des composés, eh bien, il va être variable d'un pays à l'autre. Hein. C'est une norme ISO, donc une norme internationale. Et donc, le fabricant pourra établir ce classement pour différents pays. Et d'autre part, comme vous le savez, les valeurs limites changent dans le temps en fonction des études sur la toxicité. Et donc, il vous sera nécessaire de vérifier que les classements que vous avez sont bien relatifs au pays dans lequel vous êtes et d'autre part que les classements sont relatifs à des valeurs limites toujours en vigueur. Alors les fabricants de plus en plus ont tendance à ne plus fournir cette valeur limite associée à leur fumée aux matériaux d'apport, mais ils se contentent de fournir uniquement la liste des composés dans les fumées, charge à l'utilisateur de réaliser lui-même le calcul. Ça évite de faire le maintien à jour de la fiche de données. Dernier élément et non des moindres par rapport à ces classifications des produits d'apport, c'est d'obtenir les données du fabricant. Donc, les fabricants ont de moins en moins tendance à mettre ces données dans les fiches d'études, dans les fiches de, pardon, les fiches de données de sécurité. Et donc, je vous invite à les réclamer de façon à pouvoir faire un choix éclairé et même à considérer cet élément comme comme un critère de choix pour le matériau d'apport. Ensuite, le plus souvent, quand un fournisseur vous proposera une solution, cette solution prendra en compte ces trois aspects, c'est-à-dire le procédé de soudage, le gaz de protection et le métal d'apport. Parce que bien souvent, on arrive à avoir des gains importants en changeant simultanément ces trois éléments. Parce que souvent, ce nouveau métal d'apport va exiger un autre gaz de protection et parfois exiger aussi un procédé de soudage différent. Autre élément par rapport à cette réduction des émissions, la plupart des générateurs de soudage qui sont proposés aujourd'hui sont dits synergiques, c'est-à-dire qu'ils intègrent un petit peu d'intelligence qui permet au soudeur d'éviter de réaliser lui-même les réglages en tension et en intensité, mais l'appareil va le faire tout seul à partir des éléments que vous allez lui indiquer. Vous allez lui indiquer le gaz de protection que vous utilisez, le type de matériau d'apport, et il choisira un réglage optimal. Ce réglage visant à avoir un arc le plus stable possible. Et je dirais en termes de santé-sécurité, ça nous arrange puisqu'en général, c'est lié aussi à de faibles émissions. Alors, parlons aussi des activités connexes au soudage, qui sont aussi génératrices d'émissions, alors pas directement de fumée, mais qui peuvent être génératrices de poussière, notamment la préparation des tôles.
Donc, il faut privilégier plutôt des machines à chanfreiner plutôt que des meuleuses pour préparer les tôles. Dans ce cas-là, on générera des copeaux à la place des poussières, ce qui permet d'avoir un gain. Autre élément, on a tendance à protéger les tôles avec un anti-graton de façon à ce que les projections n'y collent pas. Donc, utiliser des anti-gratons sans dichlorométhane ou mieux, utiliser des générateurs de soudage numérique avec des programmations qui vous permettent d'éviter les projections, comme on l'a vu dans les deux illustrations précédentes. Dernier élément sur la réduction des émissions. Alors normalement, les électrodes avec thorium ne sont plus présentes sur le marché, mais vous en avez peut-être encore dans vos stocks. Donc si c'est le cas, il faut les éliminer et les remplacer par des électrodes sans thorium. Alors, nous allons maintenant aborder les solutions visant à capter, à confiner, évacuer les polluants. Donc, je vais réaliser uniquement un survol de ces solutions parce que nous allons vous proposer un second webinaire dans quelques temps qui sera consacré à la partie solutions. Donc, on détaillera bien plus ce que je vais le faire là, ces différentes solutions. Donc, ce survol va être rapide. Alors, évidemment, il faut privilégier le captage localisé. Je vais vous présenter un certain nombre de solutions. Alors, je vous les présente dans un ordre qui n'est pas du tout l'ordre dans lequel il faut privilégier ces solutions, parce que chacune de ces solutions a son domaine d'emploi. Et vous verrez, elles sont toutes aussi utiles les unes que les autres. Les torches aspirantes. Donc ça, c'est plus réservé aux Mi'kmaq. On rencontre maintenant des torches TIG aussi qui sont aspirantes. Donc le principe consiste à capter les fumées au plus près de leur point d'émission. Donc vous avez des ouïes d'aspiration qui sont situées directement sur la torche et ces ouïes reprennent la fumée avant qu'elle quitte l'environnement du cordon de soudure. Avec des contraintes qui sont un peu difficiles à gérer, c'est-à-dire que il faut capter les fumées, donc générer des vitesses de captage de l'air suffisantes pour les attraper, mais ne pas capter la protection gazeuse à ce moment-là. Ce qui est assez difficile à réaliser, mais maintenant les fournisseurs ont adapté leur matériel et sont aussi aptes à vous fournir des installations qui respectent les conditions pour réaliser un captage qui fonctionne correctement sans abîmer, sans altérer la qualité de soudure. Élément important par rapport à ce dispositif, il faut impérativement que les salariés, les soudeurs, testent le matériel qui leur sera confié, sinon on risque d'avoir une non-utilisation si on n'a pas l'adhésion du soudeur. Autre élément sur ces torches aspirantes, le flexible d'aspiration a tendance à alourdir le dispositif et il faut en général aménager le poste de travail en y ajoutant souvent une potence pour soulager l'opérateur. Autre système de captage localisé. Alors, c'est un système qui est peu répandu. Ce sont les gabarits aspirants. C'est plutôt réservé à du soudage sur des moyennes et importantes séries. Il consiste à mettre des points d'aspiration au niveau de chaque point de soudure de façon à capter les fumées au plus proche. Donc, intéressant, mais assez spécifique d'usage. Ensuite, un dispositif sur lequel on est souvent interrogé quant à son efficacité, ce sont les bras aspirants. Alors, le bras aspirant, c'est efficace. Excusez-moi, l'illustration a disparu, là voilà. C'est un dispositif qui est efficace, mais qui dépend du bon vouloir du soudeur. Si le soudeur prend le temps de bien positionner le dispositif, il sera efficace, avec cependant une petite difficulté dans le cas des cordons de soudure, c'est qu'il faut parfois déplacer en cours de route le capteur de façon à suivre le cordon. Donc vous avez des dispositifs qui possèdent des fentes aspirantes associées à ce bras, qui permettent en fait de capter sur toute la longueur du cordon. Donc ils apportent une amélioration. En contrepartie, ils sont un peu encombrants. Autre dispositif, les buses aspirantes sur point fixe. Donc elles sont en général associées à des vireurs. Un vireur, c'est quelque chose qui vous permet de tourner la pièce à mesure du soudage de façon à ce que le point d'émission reste fixe. Et donc là, on peut positionner un point d'aspiration. C'est un dispositif qui est très efficace en général.
Maintenant, dispositif très adapté aux petites et moyennes pièces, qui consiste à créer un établi aspirant. Donc, c'est des tables et des douceries aspirants. Donc, dispositif très efficace, bien accepté par les soudeurs en général. Dernier élément sur le captage localisé, ce sont les cabines ventilées et hautes. Donc là, ce sont plutôt des dispositifs à réserver au soudage robotisé. Hein, le soudeur n'étant pas présent dans l'enceinte, on peut se permettre de ne pas capter au plus près, mais de laisser le panache de fumée se développer un petit peu. Maintenant, abordons la ventilation générale. La ventilation générale, dans le cadre des fumées de soudage, elle est plutôt à considérer comme un complément du captage localisé pour évacuer les fumées résiduelles, celles qui n'ont pas été captées à la source. Il est déconseillé de l'utiliser comme moyen principal. Je vais vous donner rapidement un exemple. Prenez un atelier où l'on soude une bobine de 15 kilos par jour de fil inox. Si on souhaite respecter la valeur limite du chrome 6, il vous faudra mettre en œuvre environ 100 000 mètres cubes heure, juste pour cette bobine. Donc ça, je parle de ventilation par dilution. Il y a une autre forme de ventilation générale que l'on appelle la ventilation par déplacement. Alors c'est quelque chose, c'est une technique qui est assez délicate à mettre en œuvre et qui doit être réalisée par des spécialistes. Le principe consiste à tolérer qu'une partie de l'atelier soit polluée, la partie haute dans laquelle les salariés ne se trouvent pas, et de façon à garder la partie basse parfaitement propre. Donc on utilise l'effet convectif du panache de fumée qui fait que les fumées ont tendance à monter en partie haute et on fait en sorte que l'on ait un apport d'air frais en partie basse, apport réalisé à vitesse très faible de façon à ne pas perturber la stratification de l'air et à conserver cette partie inférieure propre. Donc je le répète, technique efficace mais affaire de spécialiste. Je ne peux pas terminer ce volet sans parler du recyclage de l'air, qui dans le cas du soudage est à proscrire compte tenu de la présence de composés potentiellement cancérogènes. Et d'autre part, il est très difficile dans le cas du soudage de satisfaire aux dispositions du code du travail, notamment sur le fait que l'efficacité d'épuration sur chacun des composés émis doit être connue. Ce qui est difficile quand on est face à des produits de dégradation. Alors, important, ce que vous achetez quand vous faites réaliser une installation de ce type-là, c'est un résultat, ce n'est pas vraiment une installation. Cela veut dire qu'il faudra prendre son temps pour réaliser un cahier des charges précis en termes de performance, performance aérolique ou exposition, et surtout, après, assurer une réception de l'installation. C'est-à-dire vérifier que ce qui a été mis dans le cahier des charges a bien été atteint. Et ça, c'est extrêmement important. Parlons des appareils de protection respiratoire hein, qui viennent en complément des autres dispositions. Hein, s'ils ne constituent pas le premier dispositif pour traiter la problématique des fumées de soudage, mais viennent bien en complément des autres dispositions. Alors, le choix du type d'APR va dépendre du type d'activité. Est-ce que c'est une activité ponctuelle ou une activité permanente? Va aussi dépendre du lieu dans lequel c'est utilisé. Si vous faites du soudage en milieu confiné, il vous faudra un dispositif de type adduction d'air. Si vous faites une activité qui est quasi permanente de soudage, il vous faudra un masque à filtration assistée. Parce que les masques classiques sont compliqués, enfin sont c'est difficile pour un soudeur de travailler toute une journée entière sans masque assisté. Les exigences, eh bien, comme on est face à des composés cancérogènes, il vaut mieux privilégier des masques de filtration de type P3. Et quand on est à adduction d'air, l'air doit être de qualité respirable au sens de la norme 12021. Pour ce qui est du matériel proprement dit, il est conseillé d'utiliser plutôt des masques qui permettent de conserver la ventilation assistée pendant les autres phases de travail. Pendant le meulage, par exemple, ça donne un certain confort à l'utilisateur et il reste protégé aussi des poussières de meulage pendant cette période d'activité.
Dernier élément sur la protection respiratoire, évidemment, comme la plupart des dispositifs, ça doit être entretenu et vérifié, au minimum vérifié annuellement. Voilà, je vais bientôt avoir terminé ce webinaire. Si vous désirez aller plus loin, je vous propose un certain nombre de sources d'informations. Tout d'abord, le site INRS, dans lequel vous trouverez de nombreux guides, dossiers, vidéos, et même une application, l'application CERIGE, qui vous permettra aussi de vous aider dans votre évaluation des risques. Je vous invite aussi à consulter les présentations qui sont en ligne. Ces présentations concernent la journée technique sur les fumées de soudage qui a eu lieu en 2015. Donc, vous avez un certain nombre de présentations accessibles. Le site Référence Santé au Travail vous fournira aussi des éléments sur la partie santé. Je vous invite aussi à aller voir le site de l'Institut de Soudure, sur lequel vous trouverez un certain nombre d'études sur les torches aspirantes, sur les facteurs influents sur les débits d'émissions de fumée. Vous trouverez aussi des études sur les produits d'apport inox. Et enfin, je vous conseille aussi d'aller voir sur le site d'Amélie.fr le dossier Soudage plus sûr, qui vous donnera de nombreux éléments qui vous permettront d'établir un cahier des charges, notamment des éléments vis-à-vis, par exemple, des torches aspirantes ou d'autres dispositifs de captage localisés. Avant de terminer ce webinaire, je voudrais vous remercier de votre présence et vous dire que nous avons reçu de nombreuses questions. Nous avons tenté d'en traiter la plupart dans cette présentation. D'autres n'ont pas pu être traitées, mais vous les retrouverez sous forme de FAQ dans le dossier associé aux vidéos de ce webinaire que vous pourrez retrouver sur le site de l'INRS. Vous recevrez, à l'issue de ce webinaire, une enquête de satisfaction dans laquelle vous pourrez aussi nous faire part d'autres questions qui seront aussi intégrées dans ces FAQ. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour une suite où nous détaillerons plus que je ne l'ai fait là la partie solution avec des retours d'expérience. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci de votre présence.